Bonsoir ou bonjour pour ceux qui regardent la VOD YouTube. C'est parti pour la suite de Resident Evil 0. Enfin, pour moi, c'est en l'occurrence, c'est bonsoir. Donc, alors, avant de commencer, comme d'habitude, faut que je configure les bots, notamment mes QIA bots, avant de commencer le stream. Donc pour ceux qui regardent la VOD, c'est pas terrible, mais les soucis du direct stream, c'est obligé. Je configure les bots. Et bonsoir Yuka, comment tu vas? Première arrivée. J'espère qu'on m'entend bien d'ailleurs. C'est branché, hein, normalement. On m'entend bien. Voilà, donc Nikuya, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Wizbot aussi, normalement. Est-ce qu'il est configuré ce bot? Je sais pas. Je vais me connecter à chacun des bots par doute parce que. Je sais jamais si ça fonctionne, s'ils sont vraiment présents sur le chat. Donc, très bien toi. Ouais, ça va, tranquille. J'ai pas stream la semaine dernière parce que la chaleur m'empêchait de faire toute activité. Hein, c'était un peu compliqué. J'ai l'impression d'être une bougie. Mais là, ça va mieux, donc je suis un peu plus motivé pour restreamer. Ouais, le son est bon, ok, ça va. C'est cool. Et youhou Golem, comment tu vas? Comment ça va? On est parti pour la suite d'R0. Là, je configure mes bots. C'est la partie un peu casse-gueule de début de stream. Comme à chaque fois, je configure mes bots. Je suis à la bourre. Hein, je l'ai pas fait avant. Et bonsoir Aizen, comment tu vas? Pareil, je pense que la chaleur nous a tous assommés. Ouais, non mais c'est un truc de fou. J'avais plus la volonté de faire quoi que ce soit la semaine dernière, c'était terrible. Là, ça s'est calmé, franchement. En plus, j'ai mon petit ventilo, mais la semaine dernière, même si j'avais mon ventilo, et c'est un putain de grand ventilo que j'ai, hein, qui fait bien du vent et tout. Mais la chaleur était étouffante, c'était une horreur. J'avais pas envie de stream. En plus, quand je stream, je suis obligé de me conditionner dans ma chambre, porte fermée, fenêtre fermée, parce que je veux pas qu'il y ait du bruit extérieur qui vienne bousiller. J'avais vraiment pas envie de stream la semaine dernière. Ça va tranquille, toi, Mugi? Ouais, ça va, ouais. Ça va bien. Je configure mes bots. Normalement, c'est bon. Faut que je regarde ça. Liste des spectateurs. Il y a Moubot. Déjà, Moubot, il est toujours là, lui. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est Wizbot et Mikuya. Ces bots, ils sont jamais là si je me connecte pas dessus. C'est un truc de fou. Enfin bon. Normalement, c'est bon. On verra bien. En tout cas, merci à ceux qui sont là pour ce début de stream. Ah, Wizbot, il est là. Génial. Le live est online. Sous le jeu Resident Evil Origin Collection. Non, pourquoi Origin Collection? C'est Resident Evil 0, normalement, le jeu, putain. C'est pas Resident Evil Origin Collection. Enfin, si, c'est Origin Collection, mais. En particulier, c'est le 0 que je stream là. C'est pas l'Origin Collection. Pourtant, j'ai bien mis. Le jeu Resident Evil 0 HD. Wizbot qui fait de la merde. Ça commence bien. Je vais faire un petit refresh du stream. Sait-on jamais.
Ça charge à mort parce que j'ai une mauvaise connexion. Ouais, non, putain. Wizbot, il m'a configuré le jeu. Origins Collection. Mais va nique. Nique-toi, putain, mais. Nique-toi bien fort, putain, mais Wizbot. J'ai mis exprès Resident Evil 0. Et il me change le titre, mais. What the fuck? Je vais remettre Resident Evil 0. HD, putain. Il m'a changé le titre du jeu. Faut pas chercher où il se bat après un coup de chaleur. Ouais, non, mais. Il fait comme il veut, c'est. C'est un truc de fou. Donc, normalement, si je vais dans les recherches dans 0 HD, normalement, on devrait voir mon stream. Normalement. Non, même pas, ok. Sniff, putain, ça marche pas. Faudra que je règle ça, putain, Wizbot. Il est casse-couille. Le titre m'a toujours fait rire, Resident Evil 0. Ah, voilà! Là, c'est bon, ça marche. Il y a mon stream dans la recherche Resident Evil 0 HD sur Twitch. C'est bon. Ok. On est parti. Ah, elle était facile celle-là, Golem. Il est content, il a fait sa blague de merde pour débuter le stream bien comme il faut. Il est content, voilà. Il a fait sa putain de blague de merde. 0 sur 20, oui. Bravo. GG. J'ai envie de te donner un cookie. Voilà. Un cookie du GG pour Golem. Ok, donc là on est parti. Les bots sont configurés. Et yo Tiger, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez mis là? Love 0, 92% avec 0. L'avenir automata 80%. Laissez mes bots tranquilles là déjà qu'ils font n'importe quoi. Je passe faire un coucou rapide, Mougi, ça va bien? Ouais, salut Fuenza, ça va? Ça va bien, merci, ouais. Et toi, comment ça va? C'est gentil de faire un petit coucou. Les réglages, c'est bon, logiquement. Enfin, en tout cas, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Puis, merci à Frenza qui va faire un petit coucou. Ça fait plaisir. On est parti donc pour la suite RE0. Ton whizbot est cassé. Laissez-le tranquille, putain. Si tu veux une bonne blague, Samus, c'est Little Mac ou un McDo. Oh putain, non. Little Mac commande un menu et Samus refuse un Big Mac car elle préfère le Little Mac. Putain. Ah, c'est nul. Hey, tu mérites que je t'enlève le titre de Modo Golem. Hein. C'est un truc de fou. Oh putain. Impeccable, une petite semaine de congé actuellement, donc c'est à la cool. Ouais, bah. J'espère, ouais, faut profiter, c'est important. Alors, oula, j'avais un peu trop baissé là par contre, non? Ah, merci Wizbot. Jeu Resident Evil 0 HD. Merci, putain. Eh, c'est un truc de fou, je suis un modo unique. Ouais, un modo spécial, on va dire. Ouais. Wizbot a une semaine difficile, voyons. Bah, ou, non, Wizbot, il a pris une semaine de congé. J'ai pas streamé la semaine dernière. Mais là, on est parti, ça y est, là, il y a tout qui est bien configuré. C'était un peu fastidieux, mais c'est bon. En plus, il est poli, Wizbot, il dit de rien. Ah, c'est beau. Mais je ne suis même pas payé. Fous-moi, Modo. Ça ne marche pas comme ça, Tiger. Ça ne marche pas comme ça. On verra. Faut en être digne du Modo, tu vois. Et je dis ça, plus ça va, et plus Golem, il en est de moins en moins digne du Modo, tu vois. Avec ses blagues carambars, mais. On verra.
Du coup, par contre, j'ai refait une partie par rapport à la dernière fois où on a commencé. J'ai refait une petite partie, donc là, on va reprendre avant par rapport à là où on s'est arrêté. Pas beaucoup, hein, rassurez-vous, mais j'ai refait une partie. Et pour l'occasion, vous avez une Rebecca cheerleader, parce que je trouvais que les couleurs, ça allait bien avec le costume Cody de Billy. Wizbot M. Boogie. Putain, mais arrêtez. J'explose tous les casseurs de cuisses d'hommes. Ah, faut voir. Dans ce cas-là, faut voir, Tiger, ouais. Wizbot, mais quand même 10 minutes à comprendre son job. Ouais, t'as vu, Yuka, c'est un truc de fou, hein. Je lui demande un truc tout simple, tu mets le jeu Resident Evil 0 HD, il a compris 100 ans après, c'est un truc de fou. Putain. Laissez Willy Spot tranquille, c'est un truc de fou. Donc oui, comme j'ai dit, on reprend un petit peu avant. On reprend un petit peu avant, on s'est arrêté. On a battu le boss scorpion et tout, mais comme je vous dis, j'ai refait une nouvelle partie. Là, on est dans la safe room. D'ailleurs, c'est grave serré là, il y a plein de trucs. On va laisser ça. Ah, ok, il n'y a plus de place, je peux pas laisser. Attends, peut-être si je me change de côté. Ah, là, c'est bon, ça marche. Le spray aussi, il faut que je le laisse parce que les sprays, on va pas s'en servir. Billy, s'il te plaît, pousse-toi. Merci. Ok, il n'y a plus de place. Parce qu'en fait, dans Resident Evil 0, on n'a plus les coffres et les objets. Dès qu'on en a plus besoin, il faut les laisser. Mais on peut laisser qu'un nombre limité d'objets dans une salle. Hein. Donc, vous pouvez pas mettre autant d'objets que vous voulez, sinon ce serait le bordel aussi. Évidemment. Donc là, on a laissé un mélange d'air, des mines de fusil à pompe, des sauvegardes. Enfin, on a laissé des trucs importants, quoi. Enfin, des trucs importants. On n'a pas laissé d'objets clés, mais on a laissé genre des munitions, des comment dire, des. On a laissé des ressources, en fait. Hein. Putain. Derrière ce Wizbot se cache Michel, ex-bûcheron et marié à son chat. Oh bordel. Du coup, je sais même plus ce que je voulais faire avec vos conneries là. Oui. On va sortir et. Les effets sur la vitre sont sublimes. Ah bah oui, non mais il est beau le jeu. C'est un truc de fou. Pourquoi Rebecca est pas sortie? Ah merde, j'avais laissé. Je lui avais donné l'ordre de rester. Ok. Suis-moi ma poule. On est parti. Et salut à ceux qui viennent d'arriver en tout cas. Merci à tous ceux qui sont là. Suis-moi ma poule, bah oui. On va laisser le spray ici parce que de toute façon je vais même pas m'en servir. Donc elle, on évite de se servir des sprays. On essaye de faire sans. Et ici, j'avais oublié un truc, il me semble. Oui, voilà. J'avais oublié la valise. La valise qu'on avait ouverte hein, au dernier stream, mais comme je vous ai dit, c'est une sauvegarde un peu ultérieure. Voilà. En haut, j'avais rien laissé, me semble-t-il. Il me semble. Donc du coup, là, faut aller récupérer les deux médaillons pour
Non, ça va, il n'y a pas de zombies. Pour la valise, débloquer ce qu'il y a dedans. On va aller récupérer ça. Est-ce que Wizbot aime les poules? Grande question philosophique. Ouais, on va laisser ça là. Billy, tu viens avec moi. Parce que là, je vais avoir besoin des deux persos. Ça va être quand même plus pratique. Ok. Billy de tense, hein. Je sais pas si vous avez vu. Pour une fois, c'est bien un bot qui participe au live. Ouais, c'est vrai. J'ai un bot poli, quoi. Le spray, on va pas le récupérer parce que la flemme, hein, on va pas l'utiliser. Voilà, ça c'est important. Non, putain, je suis con. Je voulais changer de personnage. Je voulais pas appeler Billy. Billy, c'est comme Wizbot, il lui faut 10 minutes pour agir. Ouais, c'est trop ça. Voilà, donc c'était pour récupérer J'allais dire le lance-grappin, le grappin. Oui. C'est un grappin, ok. Et là, je sais plus s'il y a quelque chose. Ah si, ça va être pour après ça. J'allais voir. Sinon, Mogi, je t'avoue que je suis refroidi de Nier Automata. Ah ouais? Pourtant, ça avait l'air bien parti. Pour ce jeu. Enfin, je t'avoue que moi j'ai été refroidi avant même sa sortie, hein, quand j'ai vu ce qu'il y avait autour un peu. Et pas que ça. Mais après je l'ai pas fait, hein, donc j'ai pas vraiment vu le jeu. Donc, je peux pas non plus trop me prononcer dessus. Hein. Ce sera un peu présomptueux de ma part. Non, pas Rebecca, elle a pas beaucoup de vie. Aïe. Je voulais viser en bas, putain. Et ouais, la meuf fait une morsure, elle est déjà. Attention rouge. Bah, je te dis que je trouve le jeu est un foutage de gueule, je t'expliquerai, mais ouais, ça marche. Wizbot était vivant. Vous êtes fous, putain. Putain, j'ai fait le con, j'aurais dû prendre Rebecca, là maintenant elle est. J'ai fait le con. J'ai merdé.
Bon, là par contre, il faut que je me débarrasse de certains trucs. Genre Billy, on va laisser ça. Quoique non, non. On va pas laisser ça parce qu'on va en avoir besoin. On va plutôt laisser ça et ça. Je peux pas laisser au même endroit. Ok. Je me suis décalé pourtant. Qu'est-ce qui va pas? Miss, tu bloques le passage. Est-ce que je... Ouais, j'ai pas le choix, elle est en attention rouge. Faut faire péter le soin. Pas de choix. Donc avec Rebecca, par contre, on va... Vu qu'elle a du kérosène... On va se faire un petit cocktail Molotov, comme ça ce sera fait. Voilà. Et j'ai gagné un trophée. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, non, faire du kérosène, c'est pas conseillé chez soi. Effectivement. Faire du kérosène, faire des cocktails Molotov. Oui, but, je ne suis pas ton mec. What the fuck? Voilà, on va donner ça à Billy. Ah, j'hésite. J'hésite. Il a de la répartie, le petit. Ça va. C'est un bon whizbot, hein, j'en suis assez content. J'en suis assez fier. Je revois à tout à l'heure. Ça marche, Tiger. Tiens, d'ailleurs, là, vu qu'on est avec Resident Evil 0 et qu'il y a Miss Rebecca Chambers, ça me fait penser qu'elle est aussi dans ce film absolument infâme qu'on appelle Resident Evil Vendetta. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? J'en avais déjà longuement parlé sur Twitter, hein, mais on peut en reparler. Non, on va faire comme ça. I'll check it out. Ok. Voilà, on va la laisser ici. Wizbot, tu veux voir mon historique internet? Faut pas rêver. C'est pas un mec facile, Wizbot, hein. Attention. Il se laisse pas faire, le petit. Non, pas du tout envie de regarder ce film. Au vu des images de Chris. Ouais, non, mais franchement. Tu manques rien. J'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on cale des headshots dans ce jeu, putain? Non, je veux le couteau, s'il te plaît. C'est un truc de fou, putain. Allez. Oh la merde, je m'as saoulé. Je capte pas comment on cale des headshots, c'est un truc de fou.
Et ça, je l'avais déjà dit, RE1, 2, 3, Khaled Headshot, pas de problème. Mais alors là, je sais pas, je suis à bout portant, quoi. C'est un truc de fou. Mugi va réussir à headshot. On y croit, on y croit. On va essayer. Oui, je l'ai vu et les seuls points que j'ai appréciés sont la BO et le générique de fin. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Oui, la BO est sympa parce que c'est Kenji Kawai qui fait les musiques. Et bah, Kenji Kawai, c'est pas n'importe qui, hein, quand même. Et même si, bon, globalement, les musiques se font assez discrètes dans le film. Hein. Elles sont pas très. Il n'y en a pas beaucoup qui me sont restés en tête. La seule qui m'est vraiment restée en tête, c'est la première apparition de Rebecca. Il y a une musique très sympa, je trouve. Sinon, le reste, pas trop. Voilà. Trop de clichés de fanservice, pourtant il démarre bien. Ouais, non, mais c'est bourré de fanservice. Mais c'est même pas du bon fanservice, en fait. C'est ça qui est triste, en fait. Hein. Le film, je l'ai trouvé pas bien, mais pas bien, putain, mais. Oh, c'était. Genre, j'avais déjà un mauvais a priori sur le film, mais quand je l'ai vu, c'était encore pire que ce que je pouvais imaginer. Hein. C'est dingue, hein, Capcom, ils ont réussi à faire pire que ce que je pouvais m'imaginer dans ma tête. Et là, attention, les sangsues se sont réveillées. J'en reviens toujours pas à la gueule de Dante dans Marvel vs Capcom. Ouais, non, mais ça, Golem, ils vont. Oula. On se fait attaquer par des vagins géants. Faut se casser vite. Faut. Ouais, Capcom, ils vont. Ils vont revoir en fait les visages des personnages dans Marvel vs Capcom Infinite. Tu t'écris dans Catherine. Mais ouais, non, mais attends. C'est censé être des sangsues, le truc. Je suis désolé, ça ressemble à des vagins, quoi. Alors, non, pas combiné, examiner. Dans ce sens-là, ok. Donc, ouais, ils vont revoir hein, les visages hein, sur Marvel vs Capcom Infinite parce que. Les visages sont. Il n'y a pas que Dante. Hein. Tu vois la gueule de Chun-Li sur Marvel vs Capcom, elle est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, les modeurs 3D, mais. C'était assez violent, quoi. Du coup, ah oui, apparemment, ils vont les revoir. Hein. Il vaut mieux parce que. Parce que voilà, quoi, c'est un peu moche. C'est un peu cauchemardesque. Hein. Bon, du coup, par contre, je les ai tous mis là. Il est où le problème? Faut examiner, ouvrir comme ça. Ah, c'est ça. Une carte d'accès bleu. Oh mon Dieu, toute une énorme valise pour une petite carte. Ensuite, il faut que je soigne Billy. Parce que ça va pas le faire. Le grappin, je pense qu'on en ait besoin par la suite, donc on va le laisser. En plus, il prend énormément de place, donc voilà. Ici, c'était quoi que j'avais laissé? Ah oui, j'avais laissé les flingues de Billy. Ouais. Une mallette pour cacher une toute petite carte, ils ont un souci du détail chez Capcom.
Ils ont un sens assez démesuré des choses. On va dire ça comme ça. Oublions cette daube de Resident Evil en détail et parlons plutôt de vrais films comme la vie. Non, je préfère encore parler de Resident Evil Vendetta, tu vois. Autant, tu vois, les films pas bons comme ça, tu vois. J'aime bien en parler parce que, tu vois, j'aime bien cracher dessus. Parce qu'il le mérite tellement, tu vois. Par exemple, le dernier film Resident Evil Live avec Mila Jovovich, je suis sûr, même ce film, je suis sûr qu'il est mieux que Resident Evil Vendetta. Parce que j'en entendais beaucoup dire... oui, Resident Evil Vendetta, ok, il est pas super, mais c'est toujours mieux que les films avec Mila Jovovich. Non, c'est du même niveau, c'est même pire que certains des films. Il y avait certains des films live Resident Evil, ils étaient même mieux que cette énorme merde. Putain, c'était à chier, mais complètement. Enfin, je suis désolé. Même le dernier film live avec Mila Jovovich, je suis sûr, il est meilleur que ce Vendetta, quoi, ça, pour dire. Par contre, non, je vais pas. Je vais pas gaspiller des mines de pompe pour rien. On va prendre le flingue et puis c'est bon. Putain, les. Sans déconner, pousse-toi s'il te plaît. Merci. Il n'y a plus de munitions pour Billy? Je les avais laissées où les munitions, putain? Ou parlons de Zero. Non. Ça ira. En même temps, c'est pas difficile de faire mieux que R.E. Vendetta. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que. Et ça, je l'avais dit sur Twitch. Sur Twitch, sur. Pas possible de faire pire, quoi. Donc, ouais, effectivement. Voilà, reste ici parce que je vois rien avec la caméra. Qu'est-ce que j'ai laissé là? Non, c'est pas ça que je veux. Il y avait des munitions pour Billy, je sais plus où je les avais laissées. Voilà, elles sont là. Ah ouais, mais du coup, il me reste que ça comme munitions, putain la vache. Ah oui, il reste pas beaucoup de munitions, effectivement. Et avec Rebecca, les cocktails Molotov, on va pas en avoir besoin maintenant, donc on va le laisser, pareil. Et on est go. Ouais, non, on reste dans un état, vraiment, on touche le fond. Ouais, par contre, là, il faut que tu viennes avec moi. Voilà. Les films live avec Mila Jovovich, les majeurs reproches que les gens faisaient à ces films, pardon. C'est oui, c'est pas Resident Evil, il y a trop d'action, n'importe comment, avec des voitures, des explosions et tout, mais. Oh, vous avez bien vu Resident Evil Vendetta, les gens qui disent ça, parce que c'est pareil, hein. Des explosions, des courtes poursuites avec des motos, il y en a avec Léon, ça, les chiens, c'est n'importe quoi. Et même, comment dire, ça date pas de Resident Evil Vendetta, c'était déjà le cas dans Resident Evil 6, hein. Depuis Resident Evil 5. Et encore, bon, Resident Evil 5, ça peut aller globalement, même si il y a des moments, voilà, hein, comme le passage où t'es avec Sheva sur l'espèce de camionnette à tirer avec des sulfateuses sur les mecs en moto là. Ouais, depuis RE5, quasiment, ça ressemble déjà au film live. Hein, donc les gens qui disent c'est pas comme les jeux, enfin je veux dire la licence. De jeux Resident Evil parce que les films en images de synthèse ils s'apparentent au jeu aussi. Hein. Comment dire? Ça se rapproche énormément de. Enfin, ça se rapproche énormément. On va dire c'est pas si éloigné que ça des films avec Mila Jovovich. Hein, donc, dire que les films avec Mila Jovovich c'est pas représentatif de Resident Evil. Si, un peu, je suis désolé. Un peu beaucoup même. Hein. Dernièrement. Enfin, je veux dire, ce Resident Evil Vendetta le montre bien. Regardons un vrai chef-d'œuvre comme La jeune fille de l'eau. Et là, je déconne pas. Ouais, je l'ai pas vu, mais je le retiens.
Tu sais que t'en avais déjà parlé, je le retiens. Non, je voulais pas les mules, je voulais. Putain. Gros bug de collision. Je voulais pas les mines, je voulais juste le mélange d'herbes pour habiller. Ah ça c'est chiant par contre, faut à tout prix être dans une zone où il n'y a pas un pixel d'objet par terre, parce que sinon tu peux pas poser. Voilà. Change avec Billy. On lui donne, il est soigné. Et donc là on y va. Ah bah ça, j'ai envie de te répondre Silent Hill, Yuka. Le film Silent Hill était très bien. Pas le 2, hein, pas le Révélation 3D là. Ça, on oublie. Hein. Mais le premier fait par le français là. C'était par un réalisateur français, je sais plus comment il s'appelle. Oh, j'ai un trou. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un très bon film. Le film Silent Hill était vraiment très bien. Christophe Gans, merci Golem. Qui avait fait le Pacte des Loups, d'ailleurs, qui était très bien aussi. Je suis pas particulièrement un fanboy de Christophe Gans, même si. Je trouve. J'ai beaucoup apprécié en tout cas son travail sur Silent Hill. Hein. C'était vraiment très bien fait, très respectueux de l'œuvre originale. Et ça se démarquait à la fois de suffisamment bah, du support d'origine en fait pour en faire un film à part entière. Et c'est ça, c'est cette petite nuance qu'il faut pour moi pour faire une bonne adaptation de film en jeu vidéo. Faut que ce soit respectueux de l'œuvre d'origine, mais à la fois que ça s'en démarque suffisamment pour que ça soit un bon film à part entière en fait. Silent Hill, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les jeux, il regarde le film, il comprend tout à fait quoi. Enfin, c'est pas, c'est un vrai film quoi. C'est pas juste un film fan service. C'est un vrai film avec un vrai propos, des vrais personnages, un vrai scénario. Et ça, pour moi, Christophe Gans, ça a complètement réussi le pari quoi. Qu'est-ce que je voulais d'autre aussi? Y a que Silent Hill 1 et les trois royaumes Dynasty Warrior, à ma connaissance. Je l'ai pas vu, les trois royaumes. Après aussi, il faut dire Dynasty Warrior, je suis pas un gros connaisseur, ça aussi. Ouais, je me rappelle plus de ça. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Les vagins contre-attaque. Stop au patriarcat. Scott Pilgrim était grave bien aussi, ouais. C'est vrai. En plus, il y a une actrice que j'adore qui joue dedans, bah, qui joue justement le premier rôle féminin, Ramona Flowers, jouée par Elizabeth Winstead. J'adore cette actrice. Donc, ouais, Scott Pilgrim était vraiment bien, ouais. Alors par contre, je sais plus s'il se relève. Je crois bien que si, non.
Alors attendez, vous savez quoi? Non, mais putain. Je voulais sauvegarder avant, vous êtes sérieux les gars? Merde, je voulais sauvegarder. Je voulais sauvegarder, putain, je peux plus revenir en arrière. Mais non, mais là c'est le chemin de non-retour, putain. J'étais pas prêt, je me suis pas préparé, putain. Non, putain, c'est là où on va quitter le train là. J'étais pas prêt. Utilisation du frein. Bon, alors attendez. Ils sont dégueulasses, putain. Ils pourraient nous laisser. Hey, je voulais sauvegarder. Hein. Ils me laissent même pas sauvegarder, putain, bande d'enfoirés. Mais oui, mais c'est chiant là. Si je rate, bon, je pense pas rater, mais si je rate, retour à la sauvegarde, tristesse. Qui va rester en arrière? Je crois qu'il faut que ce soit Billy, me semble-t-il. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca. Huh? Don't screw up, okay? I won't. J'aime pas ce passage. J'aime pas ce passage, moi je vous le dis. Bah oui, elle est sponsor. Merde. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon. Bon, ok, ça va, j'ai compris. On va changer de costume. On va faire du basket. Aïe. Dégagez s'il vous plaît. J'ai pas le temps. Alors voilà pourquoi c'était plus sympa de prendre Rebecca que Billy pour ce passage, parce que en fait, Rebecca, quand elle voit Edward, oula, bah, y a une petite scène en plus, quoi. Alors que quand on est juste avec Billy, bah, il voit le zombie, en fait, il le connaît pas, quoi, il s'en fout, donc la scène est moins impactante, en fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre Rebecca. Ouais, bon, on va laisser tout ça. On avait dit pas de spray, mais là j'ai pas le choix. On a un à disposition. Je vais pas me priver.
Alors. OK. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now. Ouais, après c'est ça. Voilà. Rebecca! I'm here. Are you alright? Hey, you managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Ok, donc là, on est bon. Non, non, Miss, ne tire pas, ne tire pas. Comment je fais pour L1? Non. Comment je fais déjà pour... Oui, voilà. Ne gaspille pas tes munitions, s'il te plaît. Oh, mais il va falloir faire le ménage ici, parce qu'il y a plein d'objets à récupérer. Et il va falloir que j'y aille avec qu'un seul perso. Si j'y vais avec deux persos à la fois, ça va pas le faire. Donc voilà, on est sorti du train et ces chiens, ils m'ont même pas laissé sauvegarder avant. Parce que moi, j'aime pas cette phase. Si vous me connaissez un petit peu, j'aime pas les maths. J'aime pas les maths. Et faire du calcul mental avec un minuteur à côté qui te stresse, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et tu fais une erreur, c'est mort. Hein. Si tu t'es planté, ça casse un peu tout. Hein. Donc mieux vaut y arriver, first try, comme j'ai fait là. On va y aller avec Billy, je pense. C'est mieux. I'll go alone. Roger. Il y a plein d'items à récupérer. Il nous les faut. Aïe, aïe, aïe. Non mais là c'est trop chaud là, il y a trop de zombies. Genre ça va pas être possible. En plus le personnage il met... Merde, non, je voulais pas faire ça. Le personnage il met 107 ans à comment dire. À ramasser un objet. Voilà, genre là, je suis ultra vulnérable, je vais me faire grailler. Ça a failli. Je préfère pas prendre de risques.
Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de munitions, quoi. Et ouais, non, y a des objets indispensables qu'il faut que... Enfin, mais c'est pas le choix, il va falloir les tuer. Y a pas le choix. Ah oui, mais merde, c'est vrai. J'ai pas dit à Rebecca de m'accompagner. Tout seul, ça va être un peu compliqué. Let's regroup. Okay. Voilà, et on va la mettre en mode attaque. Et dans le doute, on va prendre Rebecca quand même parce que... Comme ça, au moins, je peux m'enfuir. Enfin, c'est plus sûr. Et pourquoi quand je viens avec les deux persos, là, par contre... Les zombies, ils sont pas proches de la porte. À tout à l'heure, ils étaient super proches. Ok, c'est bon. Je pense que ça ira comme ça. Et du coup, ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon. Il nous reste pas beaucoup de munitions, mais à la limite, on va se refaire en munitions. Ce sera pas trop un souci. Si jamais on a besoin du spray, on le prend. Pas besoin. Qu'est-ce qu'on avait oublié d'autre? Il nous manque le grappin, non? Il nous manque le grappin, il nous manque même le fusil à pompe, ils sont où? Ok, le grappin et le fusil à pompe se sont envolés dans l'explosion, apparemment. C'est pas normal, ça normalement on les récupère si je me souviens bien. Il y a tout qui tombe du train. Mais laissez une botte. Laissez une botte. Deux couteaux, ouais, super. C'est vrai que ça va être grave utile, ça. Mais moi, je veux le grappin et le fusil à pompe. Putain, ils sont où? Pas un truc qui brille ici là? Non. Ah voilà, si. Il y avait bien un truc qui brille. Ah, je me disais bien, j'avais oublié quelque chose. Et oui, j'allais les louper. En fait, c'est les cadavres des zombies qui cachaient le grappin et le fusil à pompe. Je me disais bien qu'on les ramassait là. J'allais dire what the fuck. Le zonzon a volé le grappin, OMG. Il a essayé de te pranker. Ça mérite une explication. Les zombies me cachent des items importants dans Resident Evil 0. Et ça tourne mal. Explication.
Oh merde. Je vais faire ça comme titre. J'ai bien fait de vérifier à deux fois, hein, parce que sinon je serais passé comme ça. Et je serais parti sans le grappin et. Je serais parti sans le grappin et le fusil à pompe. Enfin, sans le fusil à pompe à la limite ça peut aller, mais sans le grappin c'est pas possible quoi, parce que c'est un objet clé, on va en avoir besoin après donc. Bah du coup voilà, je serais resté comme un con et j'aurais pas avancé dans le jeu. C'est beau. Wizbot, je fais bien mon métier. Faut pas rêver. Ah voilà! Wizbot, il est d'accord avec moi. T'es pas sérieux, Golem. Ce n'est pas du putaclic, c'est la vérité. Un petit peu. Center. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with attention. You. We reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge on Umbrella. Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ce rire machiavélique. Merde. Non, je voulais pas donner d'ordre. Let's go. Viens avec moi. Ah, Wizbot, il est un peu pas content ce soir. Faut pas l'énerver. Donc oui, alors, après le train, le train c'était qu'une entrée de jeu, hein. C'est pas là que se concentre toute l'action, parce que de toute manière, un train, on en fait vite le tour, hein, donc tout jeu ne pouvait pas se passer dans le train, malheureusement, parce que le train c'est un passage très sympa quand même. Là, on est arrivé à l'endroit principal du jeu, qui est le centre de formation, qui ressemble pas mal au manoir Spencer, comme on avait déjà vu dans RE1. Non, Rebecca, elle a pas trop froid, ça va. C'est une tenue de basket, hein, voilà. C'est pour pas avoir chaud, justement, tu vois. C'est là toute la subtilité. Avec Billy, on va laisser ça. Ça va pas être utile tout de suite, hein, n'est-ce pas? Et... on va laisser ça aussi. Et ça aussi. Voilà, parce qu'il va y avoir, comme vous vous en doutez, plein d'items à récupérer. Et donc, il va falloir faire de la place, donc, en conséquence. Une herbe verte, une herbe rouge, ça c'est pour Miss Chambers. Parce que Billy ne sait pas mélanger une herbe verte et une herbe rouge. Voilà. Et qui c'est qui a le moins de munitions des deux là? C'est Billy. Donc on va donner
les munitions à Billy, s'il veut bien les prendre. Merci. Voilà. Le centre de recherche doit être chauffé, t'inquiète pas. Oui, il est chauffé, voilà. Elle a un peu chaud. C'est un peu le principe d'une tenue de basket, quoi. C'est pour pas avoir chaud, tu vois. En plus, on est en été, tu vois. Ça, c'est raccord. Voilà, donc... Je sais pas quoi aller vérifier en premier. Et on a vu dans la cinématique, évidemment, Albert Wesker et William Birkin, évidemment, qui sont des personnages bien connus de la saga, qui complotaient dans notre dos, et qui ont des liens par rapport à James Marcus, qui est l'homme que vous voyez sur le tableau et qui est le dirigeant du centre de formation. Et centre de formation, on va apprendre des trucs sur ce centre de formation par rapport à William Birkin, par rapport à Albert Wesker. Ça revient un peu aux origines... Ça revient pas tellement aux origines des virus, mais ça revient aux origines des créations des différents labos, des différentes organisations qu'il y a eu avec Albert, avec William, tout ça. Et notamment avec Marcus. Et Marcus qui est revenu d'entre eux et mort, avec une apparence plus jeune, et voilà. Et il porte une tunique blanche, voilà, on dirait un peu un ange. Il se fait passer pour un ange, pourquoi, tu sais pas. Et il contrôle des vagins géants, enfin voilà, et ça non plus tu sais pas pourquoi. Enfin si, pour tuer les gens, mais voilà, c'est son délire. Il est revenu se venger de cette façon. Et donc du coup, il va falloir un peu l'arrêter, parce que c'est pas cool. J'ai golem level 14. Je sais plus ce qui est ouvert déjà ici. Ah, là c'était ouvert. Là c'était ouvert, par contre, de ce que je me souviens, c'est mieux d'y aller avec un personnage uniquement ici. Et de préférence, ce sera Billy. Ouais, il y a l'énigme... Putain, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouais, il y a l'énigme avec la porte... La balance, putain, pardon. Je disais l'énigme avec la porte parce qu'il y a aussi une énigme avec la porte blanche qu'on a vue tout à l'heure. Il y a un truc avec une horloge à faire. Mais non, là, en l'occurrence, la grosse énigme centrale de cette pièce, c'est la balance, ouais. Exact. Va falloir retrouver des statues et les assembler, tout ça. Pour découvrir des passages secrets. Ce document semble très vieux et quasiment illisible. Les équipes travaillant sur les vaccins et les agents infectieux se réuniront régulièrement. Ces deux réunions sont classées niveau de sécurité 5. Elles seront tenues dans les salles suivantes. Okay, donc ça nous donne des indications sur où il faut aller un petit peu. Donc c'est pas très intéressant. Et vous avez entendu, il y a des corbeaux dehors. Donc c'est pas trop cool. Billy, il a le briquet, lui. Est-ce qu'il y a moyen de... Attendez, peut-être je suis mal mis. Si on se met bien devant. J'ai jamais essayé, peut-être ça fait quelque chose, j'en sais rien. Non, pas du tout. Cette plante est morte. Ouais, et on voit que les feuilles de la plante sont jaunes. Et les plantes jaunes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans RE4. C'est le seul Resident Evil qui propose ce système d'herbes jaunes qui permet d'augmenter votre vie. Et là, objet clé très important, la manivelle. Et on se casse. Genre maintenant. Voilà.
regroup. Okay. Donc, cet endroit, le hall du centre de formation, c'est là où on va laisser la grande majorité de nos objets. Là, en l'occurrence, la manivelle, elle va pas servir tout de suite, si je me souviens bien, donc on va la laisser là. Quand c'est comme ça, faut vraiment que je prenne Rebecca. Si ça avait été Billy à la place de Rebecca, Billy se fait mordre, c'est pas trop grave, il a plus de vie, mais... D'ailleurs, je vais la prendre parce que... Je pense que je vais majoritairement jouer Rebecca parce que... Là, si j'avais joué Rebecca, j'aurais pu esquiver le zombie. Et comme c'est pas évident... Quand on est à deux comme ça, vaut mieux être avec Rebecca. Est-ce que Billy l'a rechargé, lui? Ouais, c'est bon. Merde. Du coup, je m'en mêle dans les menus. Alors ici c'était fermé. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est fermé, la porte est ornée d'un symbole de feu. Alors Resident Evil 0, ça fait longtemps pour moi. Je me rappelle pas de tout. Donc ça va être assez marrant de redécouvrir. Là, le symbole de feu par exemple, ok. Je me souviens plus de ce que c'est exactement. C'est une clé ou quoi, je sais plus trop. Donc la salle des chaufferies, alors pour le moment on peut pas y aller, Billy pousse-toi s'il te plaît. Et en tout cas, on dira ce qu'on voudra de ce RE0. Là, je sais pas si vous entendez la musique. Franchement, l'ambiance bien glauque, bien sombre. Avec la musique et tout, enfin, vraiment, niveau ambiance, ce RE0, il déçoit pas. Hein. Clairement, c'est la vraie ambiance Resident Evil, quoi. La musique, quoi. On dirait qu'il y a Dracula qui va arriver. D'ailleurs, il y a une des premières pièces pour la balance. On va la ramasser. Sur tous les points, j'irai pas jusque là, mais... Non. Viens avec moi, s'il te plaît. Sur tous les points, j'irai pas jusque là, mais... Le jeu se fait descendre énormément. Mais ses bons points ne lui sont pas... comment dire? Les bons points que le jeu a, je trouve, on lui rend pas assez justice par rapport à ça, quoi. J'avais dit à Billy de rester, putain, je croyais que je lui avais dit Rosin. C'est un truc de fou.
Parce que généralement, quand on entend parler d'R0, quand on entend parler d'R0, c'est toujours en mal et on en parle rarement des bons côtés du jeu et je trouve ça dommage en fait. Ah, donc là, on a un vrai fusil. Et j'ai calé des headshots. Si c'est pas beau. Oui, voilà, le jeu, il innovait. Bon, après, il tentait d'innover, mais comment dire? Après, c'était pas parce qu'il innovait que c'était bien. Je veux dire, par exemple, le système de partner zapping, certes, c'est une innovation, mais elle n'est pas maîtrisée. Ça a été repris dans Révélation 2, et là, par contre, c'est mieux maîtrisé, je trouve, ce système. Oui, le jeu est un peu mou, mais est-ce que c'est un défaut en soi? Je veux dire, les Resident Evil qui sont venus après, justement, on leur reprochait d'être trop rythmés, c'était trop survitaminé d'action et tout, donc je veux dire, au bout d'un moment, faut savoir quoi reprocher, quoi. Plus beaucoup de munitions. Bah, il est un peu mou, certes, mais je veux dire, n'importe qui. Resident Evil, je veux dire le 1, le 2, même un peu le 3, même si le 3 est un peu plus speed, il te dira que c'est mou, mais je veux dire, moi je trouve pas que c'est un défaut, ça correspond au style survival horror, c'est pas censé être rapide ou quoi, c'est pas censé être ultra rythmé ou quoi que ce soit. Merde. C'est qui avait. Ouais, c'est Billy. C'est Billy qui a le fusil à pompe. Putain, mais on s'en fout des peintures, sans déconner. Aucune sensation que tu. Non, t'as aucune sensation quand tu joues, ça je suis absolument pas d'accord. Le jeu a vraiment une bonne ambiance qui met dedans, quoi. Ça je suis pas d'accord. Ça par contre, je suis pas du tout d'accord. Après, t'as aucune scène marquante. Ça, oui, c'est vrai que le jeu est un peu comment dire. Enfin, oui, non, c'est ça, y a pas besoin de dire plus. Ça manque de scène un peu qui marque. Par contre, dire qu'il n'y a pas de sensation dans le jeu, non, ça je suis pas d'accord. Le jeu a une vraie ambiance Resident Evil qui fait que t'es dedans, quoi. Et si t'aimes vraiment l'ambiance Resident Evil, telle qu'elle est à l'origine, je veux dire, tu retrouves ça dans RE0.
Et je parle que de l'ambiance, hein. Je parle pas du rythme ou quoi. Hein. Non, échanger. On va remettre des munitions à l'équerre. Bah, pareil, les musiques quasi inexistantes, ça je suis pas du tout d'accord. L'espèce de couloir là où on était passé, on a récupéré la statue noire là, la musique était ultra. Enfin, elle posait vraiment l'ambiance, j'avais bien dit. Enfin, écoutez la musique, ou je sais pas, j'avais dit un truc comme ça. Non, les musiques sont vraiment là et. Par exemple, enfin, je sais pas, la musique qu'il y a d'entrée, ou la musique de fin, ou même la musique des sauvegardes, je trouve que c'est le RE0, il a vraiment une bonne OST, ça je suis pas d'accord, pareil. Dire que RE0, il a pas une bonne OST, ça je suis pas d'accord. J'ai pas dit qu'il a une OST exceptionnelle, mais le jeu a une bonne OST. J'ai pas dit qu'elle était exceptionnelle, mais le jeu a une bonne OST qui contribue vraiment à l'ambiance. Et non, il y a vraiment des jolies mélodies. Comme quand le jeu commence, l'introduction, les musiques de sauvegarde, les musiques de fin aussi. Et il y en a même certaines dans le milieu du jeu, des musiques un peu au piano, que ça correspond bien au style. Enfin, je trouve que non, c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Nous n'avons pas la même vision des choses, c'est différent. Et si on a bien joué au même jeu? Mais je suis pas du tout d'accord avec ces points-là et je le dirai toujours. Je reconnais les défauts qu'il a, que certes, c'est pas parce qu'il y a des innovations que ça rend le jeu mieux ou bien. Il y a des trucs qui sont un peu ratés comme système de partner zapping et tout. Je reconnais les défauts, mais des points comme dire. Que l'ambiance est pas bonne ou que l'OST est pas bonne, ça je suis pas d'accord. Après, dire que les nouveaux systèmes qu'ils ont tenté d'instaurer, comme le partner zapping, dire que c'est foiré et dire aussi que c'était quoi déjà? Et que oui, ça manque de scènes cultes, ça je suis d'accord. Qu'il y a un rythme un peu mou par rapport au fait que ça manque de scènes marquantes, quoi. Par contre, je reviens juste à ce que tu as dit plus haut. Ouais, enfin, RE3 avait une musique très discrète. La musique, elle était pas discrète hein, quand Nemesis il était là. Hein. Je suis désolé. Elle n'était pas très discrète, là, la musique. Mais ouais, non, sinon je suis pas d'accord sur l'OST, pas du tout. Ce centre se donne pour mission de former les nouvelles générations d'employés modèles qui assurent à l'avenir d'Umbrella Corp. Bah, la plupart étaient discrets. Non, RE3, pareil, je suis pas d'accord. RE3, il y a vraiment des musiques que je retiens. Vraiment. Et quand je dis je les retiens, c'est-à-dire hors contexte, tu me fais écouter une musique d'RE3, tu me demandes d'où ça vient cette musique, je te dis RE3, je reconnais. Parce que ça c'est pas ultra, c'est pas transcendant, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas un grand compositeur et tout. Mais au moins, je reconnais. C'est suffisamment marquant pour être reconnu.
Là où c'est pas marquant et une OST est vraiment plate, c'est un truc où si tu me le refais écouter hors contexte, je vais être incapable de te dire d'où ça vient, quoi. Là, par contre, oui, c'est une OST passe-partout qui est vraiment oubliable, quoi. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux, sans distinction de sexe, de religion, de race. Ce centre fera des meilleurs candidats, des leaders mondiaux pour d'Umbrella Corporation. Voilà, donc ce document nous indique, bah, pour toi, ça reste de la musique d'ascenseur. Ok, mais bah, pas pour moi. Ouais, ce document, ça nous indique donc que ça, voilà, c'est un centre de formation, ça je vous l'ai déjà dit. Et tout est dans le nom, ça forme ça forme les boss de demain en fait, hein, pour Umbrella Corporation, Corporation, et notamment, bah, voilà, on se doute bien que Albert et William en faisaient partie. Et donc, on va ramasser pas mal de documents comme ça qui vont nous apprendre un peu plus, je crois, sur bah, l'arrivée d'Albert et William ici et comment ça s'est passé quand ils étaient là, en fait. Bon, après, le reste, c'est pas très important. Et le directeur, c'était James Marcus, hein, évidemment. C'était lui. Merde, putain, mais à chaque fois je me bloque ici, c'est un truc de fou. On va sauvegarder. Je pense que c'est pas mal. Pour une bonne OST, une OST qui arrive à te faire poser la manette et écouter. Bah, j'irai pas jusque-là, tu vois. Enfin, par exemple, dans un jeu vidéo, jamais je pense que ça m'est arrivé de déposer la manette juste pour écouter. Au contraire, moi j'ai besoin d'une musique. J'ai besoin d'une musique qui me mette dans le jeu, quoi. La manette en main et tout, et que je sois dedans. Alors ça, faudra ramasser un disque. Avec Xenosaga, je peux pas dire ça, par contre, j'ai pas fait. Ok, donc on revient là, et du coup, je pense qu'on peut le poser déjà. Pas ici. Bah, il manque une partie, mais je pense qu'on peut la poser. Non, pas là. Ok. Ça marche pas. Donc, du coup, bah, on va laisser l'objet ici. Laisser l'objet ici. Est-ce que j'avais laissé des rubans encreurs? Il y en avait un là. Justement, si l'OST participe à l'action, tu écoutes et tu dis, ah oui, cette musique-là, alors là oui. Mais RE0, non, clairement pas, c'est trop moyen pour moi. Je n'ai aucune ambition. Même Révélation 2, j'ai plus apprécié. Même si j'avoue, RE0 est quand même au-dessus. Ouais, non, bah, après je trouve c'est discutable, mais enfin, je veux dire, moi je suis dedans avec les légères petites musiques d'ambiance qu'il y a dans le jeu. Je veux dire, je suis dedans, quoi. Je vois pas ce qu'il faut de plus ou de moins.
On va prendre un cocktail Molotov parce que là, on va partir en mission suicidaire. Et je sais plus où je les ai laissés, les cocktails Molotov. Je les avais gardés. Ah, c'est Billy qui les a. Non, mais après, ce que je veux dire, Golem, c'est que la musique dans un jeu vidéo. Et même dans un autre média, hein, je veux dire un animé, un film ou quoi, ça touche au milieu artistique. Et à partir de là, ce qui est artistique, c'est comment dire, c'est pas quelque chose de technique, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et donc, je pense qu'on peut être difficilement objectif sur ce genre de truc-là, tu vois. Genre, le point de vue technique, graphique, visuel, tout ça, là, tu peux être objectif parce que c'est pas un ressenti, c'est un fait. Mais là, non, je suis pas d'accord. Et à partir du moment où je suis pas d'accord, ou enfin, à partir du moment où toi t'es d'accord pour dire que les musiques sont pas assez bien ou quoi, et que moi je dis le contraire, c'est qu'il y a une divergence. Et que cette divergence, ça vient du fait que c'est un point de vue artistique. Et donc, du coup, c'est difficile d'être objectif dessus, quoi. Et voilà pourquoi on a pris les cocktails Molotov, parce que il y a notre ami James Marcus qui va nous, comment dire, qui va nous traquer en fait. Ça va être un peu le némésis de ce jeu. Bah après, là par exemple, cette salle, par exemple, il n'y a pas de musique, tu vois, il n'y a que du bruitage. Mais là, je trouve que c'est bien fait, ça correspond au côté glauque de la chose. Là, tu vois bien qu'il y a l'angle de caméra, tu te doutes qu'il y a quelque chose, enfin, c'est un peu inquiétant. Et le fait qu'il n'y ait pas de musique, ça pose un silence. Déjà, rien que ça. Et juste ça, par exemple, je trouve ça réussi. Alors là, il vaut mieux se casser quand c'est comme ça, parce qu'en fait là, il était sur le point d'exploser, et ça fait des gros dégâts. Et là, pareil. Et Billy a usé une munition dans le vent, c'est pas grave. On n'a rien vu, de toute façon, il faudra y revenir ici, hein, mais... Non, je voulais pas la carte. Bah écoute, moi par exemple, le coup des toilettes, comme je t'ai dit, où il y a l'angle de caméra mort, où tu vois pas ce qui se passe et qu'il n'y a pas de musique, ça rend le truc glauque. Je t'ai donné un exemple de truc réussi dans le jeu. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais ça, par exemple, je trouve que c'est bien fait. Niveau ambiance, tout ça. On n'a plus de bouteilles, donc du coup, on va laisser. Non. Soit on va le laisser à Rebecca, ça on n'en a pas besoin du coup. Ah oui, non mais là tu compares à Silent Hill 3, Golem. Mais Silent Hill 3, c'est au-dessus, évidemment. Mais évidemment, évidemment qu'il se fait démolir. Mais là, c'est pas comparable.
Enfin, c'est pas comparable. Si on veut, mais oui, évidemment, là c'est une évidence. Je dis juste pour ce que le jeu vaut, moi, c'est tout. J'ai pas d'objet clé à prendre, je crois. Je fais pas de bêtises. Ah, je sais plus. On va looker la carte. Parce que. Ouais, ben, pour le coup, je suis d'accord pour dire évidemment que RE1 a une bien meilleure OST que RE0, ça c'est clair et net. Ça pareil, c'est une évidence. Par contre, c'est vrai que comme tu dis, Yuka, la musique du hall, dans le manoir, dans RE1, je ne m'en souviens plus. Genre vraiment. Les autres musiques, je m'en souviens, elles sont vraiment excellentes, mais la musique du hall, je ne m'en souviens plus. La musique du hall, je m'en souviens plus, je me souviens de... Enfin, et encore, même la musique des safe rooms, elle est un peu moins marquante que les autres, je trouve. Et oui, il y a le thème de Neptune, il y a aussi dans certaines salles aussi. Quand t'es dans la cabane du gardien et tout, il y a des musiques assez cool. Les musiques de fin aussi. Mais sinon, ouais, y a des musiques, c'est vrai, comme celle du hall principal, je ne m'en souviens plus. Ça, j'avoue que... Bon, par contre, je suis en train de perdre du temps énormément dans ma gestion d'inventaire 1, 2, 3, je vais arriver. Ici, on peut pas y aller, du coup. On avait vu, on peut pas y aller. Alors, du coup, je pense que l'inventaire, c'est bon. On va tout fouiller. Là, c'est parti pour les phases de recherche. Attendez, est-ce qu'on peut pas vérifier ça? C'était 2003, R0? C'est possible, mais j'ai un doute. Ah si, voilà, j'étais pas venu ici. Ouais, 2002-2003 par là. RE0, il me semble. C'était dans ces eaux-là. Ah, voilà, c'était ici qu'il fallait venir. Et ici, avec Billy, notamment, il faut allumer la petite torche.
Et en fait, globalement, c'est vrai que j'ai réfléchi, mais quand on me dit que RE0 est mou, en fait, c'est la moitié du jeu. C'est quand on arrive au centre de formation que c'est un peu mou du genou à démarrer. Mais après, je trouve que ça va tout seul. Hein. Globalement, une fois qu'on est dans la seconde partie du centre de formation, c'est plus rythmé. Hein. Le microfilm, ça va être important. Et par contre, pourquoi je peux pas... normalement, c'est avec le briquet, il faut allumer la lampe. Bah, déjà, de base, comparer un Resident Evil à un Silent Hill, oui, c'est un peu... c'est un petit peu hors sujet. Enfin... Tu peux comparer le côté technique du fait que c'est tous les deux des survival horror, quoi, mais. Après, en matière d'artistique, c'est autre chose. Hein. Ça n'a pas les mêmes buts. Bon, le briquet, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Et GG Yuka level 12. Quelqu'un a utilisé cet ordinateur récemment, cependant il n'a plus l'air de fonctionner. Tu te rappelles, tu sors des toilettes et t'as une super musique qui s'enclenche. Et là tu entres dans un bâtiment et paf, silence radio. Ouais, non mais ça je me rappelle, Golem. Ça je me rappelle, même de la musique. Bon, je vais pas la faire parce que. Parce que voilà, j'aime pas trop faire des imitations, mais. Mais ouais, non, je me rappelle très bien. Mais après, là, tu compares un chef-d'œuvre à un jeu un peu quelconque, quoi. Parce que RE0, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est, il est injustement trop défoncé. Mais après, oui, RE0, il est un peu quelconque, quoi. Et comparer un jeu un peu quelconque à un chef-d'œuvre comme Silent Hill 3, évidemment, c'est pas la même chose. Ok, donc c'est là d'où on va se servir de la manivelle, donc du coup faut que j'aille récupérer la manivelle et je vais avoir besoin des deux. Oui, non, mais voilà, moi RE0, je l'apprécie pour ce qu'il propose, quoi. C'est ça en fait. Mais après, par contre, je suis tout à fait d'accord pour dire que. Merde. Je suis tout à fait d'accord pour dire que. Pour dire que RE0, il est moins bon que les premiers Resident Evil, il est moins bon que le 1, le 2, le 3, ça c'est évidemment. Ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Mais ça reste la formule Resident Evil. Et ça, on dira ce qu'on voudra. Ça reste la formule Resident Evil, la vraie, celle qu'on connaît. Enfin, qu'on a connue plutôt. Parce que c'est plus trop le cas maintenant, mais. C'est un jeu moyen, mais c'est la vraie formule Resident Evil. Ah bah oui, non, mais de toute façon, moi je préfère RE0 au 4. Enfin, même si. Comment dire? Évidemment que RE4 c'est un jeu meilleur que RE0, mais en tant que Resident Evil, je préfère RE0 parce que, comme je l'ai dit, RE0, on dira ce qu'on voudra, mais c'est la vraie formule Resident Evil. Alors que. Enfin voilà, je préfère évidemment RE0 à 4, 5, 6, 7, quoi. Et ce que j'apprécie pas avec
l'avancée de la série Resident Evil, c'est que la vision de la saga s'est perdue au fil des jeux et ça a commencé un petit peu avec RE4, quoi. Et cette vision, voilà, on la retrouve dans RE0. Que ça change, que ça évolue, ok, mais la vision de base, vraiment, elle n'a pas su être maintenue, clairement. Et c'est pas RE7 qui va contredire la chose, hein, clairement pas. Hein. La manivelle, je l'avais mise là, voilà. Ça, ce sera utile après, ouais. Si je me souviens bien. Et on va prendre des munitions et on est go. Les munitions, je les ai laissées là. D'ailleurs, faut que j'échange. C'est important. Rebecca va avoir besoin du fusil. Voilà, je pense qu'on est bon comme ça. Ah, et d'ailleurs, vous savez quoi? On va changer de costume. Nous allons mettre. Tiens, le infirmière, il est plutôt marrant. Enfin, il est plutôt marrant. Il est très what the fuck, mais. Histoire de délirer. Et Billy, bon, il n'y a pas tellement de choix. Si on veut changer, on va lui mettre le Wallforce. Ouais, tu peux changer de tenue en cours de jeu, ouais. C'est pas, faut pas aller dans une armoire spéciale ou quoi. Non, non, là c'est quand tu veux. Si on aime les Resident Evil, RE0 il est à faire. Je parle la vraie formule Resident Evil de base. Voilà, ben c'est exactement ça. I'll go alone. Okay. Donc, alors malheureusement, si je me rappelle bien, hein, en fait, on peut envoyer que Rebecca parce que Billy, voilà, regardez-moi ces avant-bras musculeux. Rebecca, elle n'a pas assez de force, hein, voilà, elle n'a pas les muscles de Billy. Elle peut pas pousser la manivelle, je crois, hein, me semble-t-il. Voilà, il faudrait quelqu'un se mettre d'abord dessus. Oui, ça c'est vrai. Parce que Billy, notamment, il y a des. Je me rappelle de passages où il y a des caisses à pousser, des caisses métalliques. Et ces trucs-là, tu peux pas les faire avec. Tu peux pas les faire avec Rebecca parce que c'est trop lourd. Et tu es obligé de le faire avec Billy, il faut faire attention. Et là, me semble-t-il. Je suis pas sûr. Hein. On va essayer. Mais alors, attendez, du coup, parce que si je me suis trompé et que c'est pas ça. Faut que ce soit Billy du coup, que ce soit Billy qui est le fusil à pompe. On va essayer parce que je suis pas sûr, mais
Je crois qu'il n'y a que Billy qui peut activer la manivelle. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Non, échanger. On va tester. Dommage, Elisa n'est pas là. Pourquoi tu dis ça? On va essayer d'envoyer Billy. Je crois que Rebecca a pas assez de force, me semble-t-il. On va voir ça. Voilà, donc c'est bel et bien ça. Rebecca n'a pas l'air de pouvoir l'utiliser. Et oui, parce que Rebecca, elle a des tout petits bras. Voilà. Vis-à-vis de la tenue de Billy. Et oui, c'est ça. Donc, c'était bien ça. Je me souvenais bien. Il faut les muscles, là. Il faut faire parler la testostérone. Et on est obligé d'envoyer Rebecca. Et ça m'emmerde un peu parce que on a deux gros ennemis en haut et ça aurait été mieux d'envoyer Billy, mais on peut pas. Donc, on est obligé de faire avec. Pas le choix. Vous noterez au passage le magnifique bug de collision du fusil qui rentre dans la robe de Rebecca. Et il faut faire attention parce qu'il y en a un deuxième. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas pris de dégâts. En fait, avec Rebecca, ce qui me fait peur, moi, c'est de prendre des dégâts. Hein. Vraiment, elle est extrêmement fragile, donc faut faire attention à pas se prendre de coups. Sinon, quand je te parlais de Nier Automata, une fois le jeu terminé, tu dois tout refaire avec le jeu, avec le garçon, pour avoir la suite du jeu. Ah, tu dois faire le jeu en entier? Enfin, à l'exactitude près, sauf que c'est pas avec le même perso? C'est ça que t'es en train de me dire? Ah la vache, ouais j'avoue. Ah oui d'accord, je comprends pourquoi t'as été un peu refroidi. T'as juste des séquences différentes, ouais. Je confirme, c'est un peu moyen, ouais. Ah ouais, la vache. Je pensais pas que c'était ça. Ouais, j'ai jamais entendu personne se plaindre du jeu par rapport à ça. Hein. Mais j'avoue, c'est un peu effroyable comme construction, quoi. Faut que tu refasses le jeu pour avoir la suite. Waouh, c'est super. Non, je peux pas me permettre de prendre les munitions avec Rebecca. Aïe, 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 non, me faites pas de mal. Je ne suis qu'une gentille infirmière. Ah, et j'ai loupé une herbe rouge. Putain, Rebecca, ce costume, mes amis. Alors Rebecca en mode, en espèce de Lolita infirmière. On dirait qu'elle fait un cosplay quoi, d'un personnage de manga, c'est n'importe quoi. C'était un costume qu'elle avait dans Mercenaries 3D, je dis pas de conneries. Le jeu sur DS, là, j'ai pas fait, mais... Sur 3DS, pardon. J'ai jamais eu la 3DS, donc... Et ça, c'est du costume pour aller défroyer du zombie. Hein. Ça, y a pas de problème. Ah, pardon. Désolé de vous avoir dérangé.
Continuez. J'étais pas là. Ok. Vous ne m'avez pas vu. Donc maintenant, on reprend Mr. Cohen. Et on va rejoindre Rebecca là où elle est. Oh merde, putain. J'avais oublié ça. Oh, ça c'est trop bien. Billy peut caler des headshots comme Chris dans RE1. Au flingue, mais c'est trop stylé. JJ. Ah, il me fait plaisir, Billy. Un petit headshot des familles. Économie de munitions. Bah ouais, ça a l'air assez dommage à ce que tu me dis, Golem. Mais je t'avoue que j'avais déjà un mauvais a priori sur le jeu, donc ça me... Comment dire, ça ne me... Ça ne change pas plus que ça ma vision des choses sur le jeu, en fait, parce que j'avais déjà un mauvais a priori, donc... Et Retailleur. On a pas mal avancé, là. Et d'ailleurs, on n'est pas loin du boss, me semble-t-il. Je m'appelle Rebecca, j'ai 18 ans, je fais du cosplay et je tue des insectes géants au fusil à pompe. Youhou! On va laisser une herbe à Billy. Non, alors du coup, c'est Rebecca qui va prendre les munitions de pompe, puisque c'est elle qui les a. Et là, on récupère une nouvelle arme, et pas n'importe laquelle, mes amis. Le lance-grenade. J'ai plus de place, alors j'ai de la place avec Rebecca. Donc on va prendre la statue blanche et là il va falloir en fait trouver les pièces manquantes des statues. Très important. La porte est ornée d'un symbole d'eau. Donc on avait le symbole de feu et on avait le symbole d'eau pour les portes en rouge et les portes en bleu. Très important. C'est à retenir. Et là on va avoir le deuxième boss du jeu. Donc ça aussi très important. On va aller sauvegarder. Et on va faire ça. Et d'ailleurs, on va... Le costume... Costume cosplay Kawaii Lolita. On va changer ça parce que bon, c'est marrant deux secondes, mais... Avec cuir, c'est absolument affreux. Voilà, Star Prototype, j'aime bien. Moi. La version Nintendo 64. On laisse ça. Avec Billy, on laisse la top plan. Ah, je peux plus laisser. Peut-être que si je combine. Ouais, non, ça va, ça fait de la place. Il est actuellement chargé avec des grenades classiques. Ok. Parce que, évidemment, avec le lance-grenade, on a trois types de grenades différentes, les grenades classiques, incendiaires et
acide. Voilà. Par contre, on a quatre types de grenades dans RE3. Il y a les grenades azote aussi. Je ne sais plus si elles sont dans le jeu, je pense pas. Donc c'est que trois types de grenades hein, dans RE0. Donc on va save parce qu'on va affronter le boss. La salle est full, je peux plus rien prendre sérieux. Let's split up. Roger. Reste ici. Genre là, je peux pas poser un truc ici. Une petite herbe, s'il vous plaît, please. Genre là, je peux pas la poser. Ok, donc la salle est vraiment full de chez full. J'ai trop mis de trucs. C'est trop. La salle ne tient plus. C'est bourré à craquer. Let's regroup. Okay. On est déjà à 2 heures de stream presque, c'est pas mal. Je vais laisser des trucs dans la salle voisine parce que cette salle est pleine et j'ai besoin de poser encore des trucs. Genre même ça, hein, ça va pas être pratique. Ça non plus. Voilà. Ça, on le donne à Billy. Voilà, donc on a sauvegardé, on est bon. On va aller affronter le premier boss. On avance plutôt bien. Ouais, j'essaye. Enfin, ce qui est vraiment long, c'est quand je réfléchis pour savoir quoi prendre, quoi laisser. Et c'était pareil sur RE1, hein, quand j'étais dans le coffre. On aurait dit que je prenais la décision la plus importante de toute ma vie. Alors vas-y, là tu réfléchis bien. Tu laisses le pompe, tu prends quoi? Ouais, on va faire comme ça, on va prendre Rebecca. Je dis rien cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire, Tiger? Voilà, toi tu vas rester ici. Ok, toi tu vas là-bas. Et Billy doit encore se servir de ses muscles pour activer la machine. Ça, pareil, Rebecca ne peut pas le faire. Hein. Si vous essayez de faire l'inverse entre Rebecca et Billy, ça ne marchera pas. Et là, c'est très important parce qu'on ramasse un objet clé et c'est la clé feu, me semble-t-il, donc pour ouvrir les portes rouges. Donc, première clé. Sauf que ça n'allait pas être aussi facile, évidemment.
Merde, j'ai pas pris d'armes. Donc là, Rebecca se fait... Enfin, s'est faite kidnapper par un mille pattes géant. C'est génial. Et comment dire, ce boss, ne vous inquiétez pas, quoi. Si vous... Enfin, vous n'avez pas à vous inquiéter pour Rebecca. C'est pas un combat qui est chronométré, genre elle va mourir dans telle seconde. Vous avez tout le temps que vous voulez, quoi. Faut pas vous inquiéter pour ça. C'est un boss comme un autre. Hein. Et pareil, vous n'avez pas à vous inquiéter pour Rebecca. Vous pouvez tirer autant que vous voulez, ça ne lui fera rien. Et voilà. Rebecca. Are you all right? Yes. Thank you. Oh, j'adore Rebecca avec ce costume. Ça lui va tellement bien, le blanc avec le petit béret. Si on ferme les yeux, ça ressemble à un film de... Ça ressemble à un film Peggy 18. Non, t'abuses. T'abuses vraiment, j'ai déjà entendu des bruits dans des jeux vidéo, des bruitages de personnages qui étaient bien plus, comment dire, suggestifs, on peut dire ça comme ça. Mais ouais, non, par contre le cri d'Ashley, mon dieu, de quoi en faire des cauchemars, hein. Non, merde, je voulais plutôt dire viens avec moi. Quoique, attendez, je me rends compte que j'ai oublié des herbes. Donc, on va envoyer Billy les... On va envoyer Billy les... la récupérer, c'était une herbe rouge. L'herbe rouge, Coco, non! L'herbe rouge, putain, elle est où? Mais prends-la! Merci. Oh la vache. Comme Tomb Raider sur 360 avec sa nouvelle voix. Ouais, non mais dis-toi que... Dis-toi, Golem, il y a une vidéo sur YouTube... C'est assez marrant, faudrait que je la retrouve. Je pense que je vais la partager après le stream. Il y a une vidéo sur YouTube où t'entends tous les cris de Lara dans le reboot en fait. Et t'as une musique de film X en fond. C'est un montage en fait un peu décalé, un peu hors contexte. C'est assez drôle, mais franchement, c'est vrai que. Hors contexte, la nouvelle voix de Lara Croft, c'est. Mon dieu! Un peu particulier quoi. Ou le premier Tomb Raider sur PS1 correspond jamais. Non, t'es sérieux, Lucas? Ah, la voix robotisée de Lara dans. Enfin, les bruitages de Lara Croft dans le premier Tomb Raider. C'était pas du tout sexy, non, c'était. C'était. Ouais, voilà, il y avait le fameux No. No. Quand tu voulais mettre une clé et que ça marchait pas. Ouais, le no était énorme, ouais. C'est vrai. Non, mais la voix de Lara Croft dans le premier Tomb Raider, c'était pas du tout... C'était pas du tout... C'était pas du tout sexy, hein. Ah oui, le fameux « ah ah » quand elle trouve un objet, avec la petite musique des secrets.
Mais ça, pareil, c'était pas. Non, je trouve pas que c'est. Je trouve pas que ça sortait du contexte, quoi. Par contre, la voix de Lara Croft dans le reboot, là, oui, ça sort du contexte. Hein. Ouais, c'est exact ça, Golem. Ils ont pas traduit le no. C'est resté en anglais. C'est resté en anglais. Normalement, on devrait dire non, mais. C'est resté en anglais. Et je crois que c'est qu'à partir de. C'est qu'à partir de Tomb Raider 3 ou 4 ou par là, un truc dans le genre, ils se sont rendu compte de leur erreur. Ils n'avaient pas traduit, enfin, ils n'avaient pas doublé le no. Ils l'avaient laissé en anglais et après c'était bien en français, non. Mais c'est vrai, c'est marrant ce détail. Donc le premier boss c'est fait, on a récupéré la première clé, ça c'est important. Après, si vous voulez vraiment des bruitages de personnages bizarrement langoureux qui sortent du contexte, regardez les jeux de combat genre Dead or Alive ou quoi, là vous serez servi. Hein. C'est assez drôle. Hein. Non, je voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir, je voulais juste. Ah ben, Rebecca, elle peut le ramasser normalement. Voilà, je voulais juste ramasser ce qu'il y avait par terre. Merci. Voilà, le pistolet de billes. Et j'avais laissé les munitions. J'avais pas laissé les munitions. Aïe. Merde, c'est Rebecca qui a la clé. Grouille-toi. J'ai mal calculé mon coup, c'était Rebecca qui avait la clé. Du coup, je pouvais pas ouvrir avec Billy. Ouais, non, on n'est pas aidé, mais j'ai fait de la merde aussi. Et je sais plus s'il y a un objet important à récupérer ici, je sais plus. Ah, d'accord, mais oui, bien sûr, c'est pour ça que je pouvais pas utiliser le briquet de Billy tout à l'heure. Et oui, j'avais omis ce détail, c'est parce que il n'y a pas d'essence à briquet. Ceci explique cela. Voilà, donc maintenant on va pouvoir l'utiliser. Donc oui, effectivement, objet clé très important. N'y a plus rien à ramasser ici, me semble-t-il. En tout cas, le jeu est vraiment beau aussi, hein. C'est vraiment le même moteur que RE1 remake avec la vitre qui bouge et tout, on voit les reflets, c'est vraiment très très beau.
Par contre, j'avais plus de munitions de flingue. Parce que là, sans déconner. Alors attendez, déjà. On va se refaire des petits cocktails Molotov. Ce sera ça de prime. Ah, je peux même en faire encore plus. Les cocktails Molotov, je les avais laissés où? Il y en a là. Voilà, comme ça, on les assemble et on les laisse là. Et ensuite, avec plus le flingue, je pense pas que ce soit vraiment utile. Ça, c'était quoi ça? Ça, c'était la carte, on n'en avait pas besoin maintenant. Ça va être utile dans pas longtemps. Dans très peu de temps même, donc on va ramasser ça avec Billy. I'll go alone. Okay. Et maintenant, qu'est-ce que j'avais besoin? Ça, c'est le grappin, pas besoin. Ouais, on va donner ça à Billy. Voilà. Et ah, par contre, j'avais usé toutes mes munitions de fusil à pompe, quoi. C'est un truc de fou. J'avais déjà tout utilisé, quoi. Il n'y a plus rien. Let's go. Ok. Alors, bah, let's go, hein, comme a dit Rebecca. Finalement, on va laisser la statue ici. Si j'arrive à passer, voilà. Ouais, donc cette clé, elle était utile que pour deux portes, hein, donc on se débarrasse d'un item déjà, c'est pas mal. Et là, on peut utiliser le briquet. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure en fait. Et c'est parce qu'il n'y avait pas l'essence à briquet. Évidemment. Parce que voilà, hein, si jamais vous n'avez pas compris, il y a le tableau hein, qui nous indique avec ce vieux monsieur, on dirait le père Fouras. Rebecca, genre un coup de main. Aïe, aïe. J'ai plus de munitions. Ouais, grosse énigme. Hein. Je sais pas si je le ramasse maintenant.
Ouais, l'IA qui est un peu aux fraises, hein. Enfin, elle a tiré, mais pas tout de suite. Ah non, mais c'est parce que je l'avais mise. Ah oui, c'est parce que je l'avais mise en passif, c'est pour ça. Alors je comprends pas pourquoi elle a tiré après du coup. Ok, donc non, c'est pas l'IA qui est aux fraises, hein, c'est juste que je l'ai mis en passif. Alors calmez-vous les enfants, c'est moi qui avais mis l'IA en passif, c'est pour ça. C'est pour ça que Rebecca ne tirait pas. Par contre, je crois qu'il n'y a rien par terre. S'il te plaît. Ah, j'ai obtenu un trophée. Chacun son métier. Genre, non, attends, tu peux pas me dire. Chacun son métier, genre chacun son métier dans le sens Rebecca peut pas pousser ça? Ah ouais. Elle a même fait le signe genre Billy, tu peux m'aider. Carrément quoi. Même ça, elle peut pas le pousser. Ah ouais, c'est ça. Rebecca est une femme et donc ne peut pas le faire. C'est ça. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que j'ai obtenu un trophée en voulant pousser ça avec Rebecca. C'est ça le détail drôle, en fait. Que 18 ans, d'accord, mais une petite étagère avec des livres dessus. Bon, quand même. Je sais pas, elle peut pousser ça quand même. Ça doit pas être très lourd non plus. Ouais, on va. Attends, c'est qui a les ailes? C'est Billy qui les a. Hein. Oui, c'est Billy. Donc on va envoyer Billy, on va laisser Rebecca ici. Tu sais que c'est lourd ce genre de truc? C'est pas des étagères à roulettes. Bah, je sais pas. Un minimum. Voilà, donc la première statue. Donc une bonne chose de faite. Alors je sais plus si elle se met à gauche ou à droite par contre. Hein. Ça, je sais pas du tout. Enfin, là, ça doit être à droite. Oui, please. S'il te plaît. Ah, merci. Et maintenant, il faudra mettre l'autre qui est juste au pied de Billy, ici. La statue du diable, mais il manque une aile, donc il va falloir la retrouver. Je sais plus où est-ce qu'on la retrouve d'ailleurs. D'ailleurs, tant qu'on est là avec Billy, je me demande s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Je suis niveau munitions, on est vraiment dans la merde, genre, c'est. Un truc de fou.
J'ai super mal économisé mes munitions. Du coup, on va récupérer le lance-grenade. Ça va être utile aussi. Bah, j'ai bien fait de revenir ici. La vie au couteau. Même pas en rêve. Je connais les dictons. Non, je connais pas le dicton. Je préfère pas le connaître, je crois. Non, je vais pas examiner. Échanger. Voilà, on donne tout à Billy. Là, on combine. Et ouais, ça m'a l'air bien comme ça. J'ai plus de munitions, c'est terrible. Genre, plus du tout, quoi. Let's split up. Ah, mais c'est cette salle. Ah, ok. Je pensais que c'était une autre. J'étais pas du tout. Je pensais qu'on atterrissait dans une autre salle, mais en fait, non. Non, attendez. Franchement, j'ai envie d'essayer. Eh, franchement, je rigole si Rebecca, elle arrive même pas à pousser ça, quoi. Attendez. Genre, j'ai envie de voir si Capcom ils sont allés dans l'abus jusque-là. Non, c'est bon. Quand même, faut pas déconner. Journal de l'assistant du directeur, le 2 septembre. T'as dit quelle heure là? 11h? Wow. On va pas tarder à s'arrêter. Je fais encore quelques trucs et puis on va pas tarder à s'arrêter là. On est à 2h30 de stream. J'ai beaucoup parlé, beaucoup perdu de temps. Encore une bande de stagiaires incompétentes. Une table est moins lourde qu'une étagère remplie de listes, c'est connu. Oui, c'est connu, oui. Enfin, il paraît. Où le siège social dégote-t-il de tels idiots? Quelques-uns sortent du lot, cependant, estimons-nous heureux, William et Albert, ceux-là ont de l'avenir. Ah, là vous voyez, ça commence à parler de William et Albert. C'est intéressant. Le 25 septembre. Will l'intello et Al le pragmatique. C'est le jour et la nuit. Ils se donnent toujours à fond, ils ont tous les deux quelque chose de cruel et impitoyable. Le 7 octobre. J'ai reçu un appel inattendu du directeur. Il m'a dit d'encourager la rivalité entre deux. C'est bien la première fois depuis l'ouverture de ce centre de formation que Marcus s'intéresse à autre chose qu'à ses recherches. Bon, comme il le veut, les ordres sont les ordres. Ils seront bientôt à couteau tiré. Donc, ça nous parle un peu de la relation qu'il y avait entre Albert et William pendant leurs années où ils étaient, enfin leurs jeunes années où ils étaient dans le centre de recherche. Qu'il y avait une espèce de rivalité entre eux et tout. Donc on va en apprendre plus par la suite, évidemment. Là, on allume la lumière. Et vous allez voir, on retrouve El Famoso, la tête de serre, qui est dans quasi tous les Resident Evil, me semble-t-il. Il y a toujours une tête de serre. Et on récupère l'aiguille de fer, qui va être très importante.
Vous allez voir ça, c'est un objet clé. Let's regroup. Roger. Ouais, je compte lire tous les documents, ouais. C'est important. Enfin, tous les documents. Tous les documents importants, en fait, qui donnent des indices sur... Enfin, des indices, qui donnent des indications sur le scénario, tout ça. Genre les trucs qui te disent, qui t'indiquent quoi faire dans le jeu, je vais vite les passer, c'est pas important. Je sais quoi faire. Mais les trucs sur le scénario, ça par contre, je les lis. C'est important parce que c'est pour la forme let's play, parce que ce que je fais là, c'est un let's play en stream qui sera rediffusé sur YouTube. Donc pour la VOD, c'est important que je fasse les choses de façon un peu ordonnée. D'ailleurs, ça, je pensais qu'on en aurait besoin maintenant, mais du coup, c'est pas là. T'es un tueur, t'as vraiment, mais alors, vraiment à la fois. Mais non. Monsieur n'aime pas lire, à ce que je vois. Je commence à fatiguer un petit peu en plus au jeu. On va pas tarder à s'arrêter. Je vais aller faire le truc de l'horloge là et puis je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pas trop envie de dépasser les 3 heures de stream en fait. Ça me ferait un peu chier. Let's split up. Okay. Non, par contre, je voulais Rebecca. Donc, voilà. Je suis un illettré. Et du coup, on a déverrouillé les deux portes qu'il y avait avec. Enfin, les deux portes rouges qu'il y avait avec la clé qu'on avait récupérée. Et là, va falloir récupérer la clé bleue, enfin, la clé qui permet d'ouvrir les portes bleues. Faut bien qu'il change ses couches. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. RE0, je le connais, il me fait pas peur. Bon, par contre, il n'y a pas d'ennemis ici hein, quand je reviens, hein, j'espère. Parce que sinon. Ah, voilà. Ah, des munitions, je respire, c'est beau. Oui, alors par contre, qui est drôle, c'est que je ne me rappelle pas de l'heure. Alors attendez, c'était dans quel document? Non, c'était. Je pense pas que c'était ça. Non, non, c'était pas ça. Règles pour les stagiaires, ça devait être ça. Non, non plus. Huit heures quinze. Ok. Bon ben, merci Tiger aussi du coup. Alors attendez, par contre, du coup, je vous demande 2 petites secondes, je reviens. Attention les oreilles, je vais couper le micro.
Pour ceux qui portent un casque, je reviens. Juste deux petites secondes, j'arrive. Hop, c'est bon, ça s'est reconnecté. Alors, excusez-moi. Ouch, mes petites oreilles. Oui, je suis, je suis désolé, j'avais prévenu. Hein. Attention les oreilles. En plus, faut que je fasse vite parce qu'il y a bientôt ma manette qui se déconnecte. C'est pas cool. Du coup, j'ai mis... J'ai mis ce qu'il faut... pour l'horloge avec les aiguilles et donc on avait dit 8h15 alors tournez l'aiguille des minutes faudra la recharger ouais c'est ce que je vais faire après Je me rappelle plus où elle est cette salle par contre. Ah, je me rappelle plus. C'est en bas, mais. Enfin bon, on verra bien. Enfin bon, de toute manière, on a fait ça et c'est déjà pas mal, je trouve. On a plutôt bien avancé. On a fait un boss, on a fait. Oula. Les corbeaux, par contre, on va se dépêcher, hein. Ah, j'aime pas les cris qu'ils font en plus, c'est un truc de fou. On a fait un boss, on a déverrouillé des salles, on a fait une moitié d'énigme avec la balance. C'est plutôt pas mal, hein. Je pense que la seconde moitié sera faite au stream prochain, parce que là en fait on a fait une première moitié quoi. Donc. On va rejoindre Billy avec Rebecca et on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Pour le coup. Et Billy qui patiente, hein, voilà, qui regarde son arme. J'aime bien les animations des personnages quand ils se font chier. Attention, je te pousse. Voilà. Où était le ruban encreur déjà? Il était là. Dans un couloir. Je crois que... Attends. Me semble-t-il, c'était ici. Là-bas. Là. Je crois que c'était là. Attends, comment on met la carte? Ouais, voilà. La salle en question, qui est grise... Je crois que c'est la salle où il y a comment on appelle ça, des bandes de films en fait où tu peux mettre un film et lire un film.
pour le truc qu'on a ramassé, qui est par terre, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je sais plus où j'ai laissé. Ah voilà, bah c'est Billy qui l'avait, voilà ça. Le microfilm, va falloir s'en servir dans cette salle si je me souviens bien. Enfin bon, on verra ça la prochaine fois, de toute façon là on va sauvegarder. On en est à 4 sauvegardes, on a plutôt bien avancé. Voilà, et donc du coup, bah, moi je vous dis bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir, tout ça. Et puis vous pourrez retrouver la VOD de ce stream sur YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube, qui est en lien dans la description sous mon stream. Donc n'hésitez pas, c'est lundi, je remets les VOD. Et puis au revoir YouTube aussi. À la prochaine fois, et puis voilà, les gens du stream, bah merci, tous ceux qui étaient là. Et voilà, donc Golem, Tiger, Yuka, il y avait qui était passé aussi. Ah, j'en oublie, mais attendez, je remonte le chat, mais non, je crois que c'était tout. Hein. C'était tout, me semble-t-il. Il y avait Fuenza aussi qui était passé faire un coucou au début. En tout cas, voilà, merci tout le monde, je vous dis bonne soirée, et puis à la semaine prochaine. Des bisous.